Hey, salut à tous, c'est Tifou. Et bibou! Et on se retrouve dans les couloirs glauques d'une chapelle chelou qui fait penser à un truc chelou. Mais là, tu retournes pas en arrière? Tu me fous un doute. Si, si, tu Si, retournes en j'ai arrière. fumé, je repars en arrière. Moi, j'ai tellement la trouille que je me casse. On a oublié de préciser que c'était Outlast Oui, 2. Outlast. Mais bon, généralement, les gens regardaient le titre de la vidéo avant de la mettre. Mais qui te dit qu'on va mettre un titre? Donnez-moi vos filles. Non, vos vies, moi j'ai entendu. Vos enfants, vos filles, vos enfants. Ah. Ah, t'es un violeur, toi, en fait. C'est pour ça que t'es enfermé. C'est sympa ici. Attends, je vais mettre un peu la lumière pour voir la gueule. Ça fait penser dans le 1, l'hôpital psychiatrique et tout, là. Où ils violaient les morts, tu te souviens? Ouais, je me souviens. Il y en a pas dans toutes les cages. Bah non, après il les tue. Bah ouais, sinon ça prend trop de place. J'allais dire sinon ça coûte trop cher pour les nourrir, mais à mon avis ça m'étonnerait qu'ils les nourrissent. T'as pas l'air bien toi non plus. Il parle de Val. Toi t'as l'air encore plus mal. Attends, il y a un trou au milieu. Il y a quoi dedans? Il y a un trou au milieu. Là. Ah là. Ah ouais, il y a un mot. Ouf, il y a beaucoup de Alors. lecture. Je te laisse zoomer. Zoomer, 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 zoomer. Hop, vas-y. Paul, je sais que papa Nos t'écoute et je voulais que tu lui racontes une histoire qui m'inquiète et que j'espère n'être qu'une création de mes peurs. Je baille, désolé. Ça y est, Le ça chef de ses diacres, Val, est venu me voir avant l'aube ce matin avec une offre qu'il n'a pas complètement expliquée. Val semblait vouloir offrir quelque chose au caractère sexuel et secret. Encore, il parle de Putain. cul. Mais par ma connaissance de Val et de son caractère, j'ai pris terriblement peur et j'ai refusé son invitation. Val ne m'en a pas expliqué davantage et dit seulement qu'il y a des endroits de nos cœurs que Papa Nos ne peut pas toucher. À dire vrai, Val semblait plus intéressé par d'autres endroits de mon corps. J'ai demandé à Val de revenir ce soir pour me laisser le temps de réfléchir, mais uniquement pour que Nos puissent envoyer quelques hommes de caractère afin qu'ils observent secrètement et de leurs propres yeux ce que je soupçonne être un blasphème et une trahison. Et qu'ils puissent découper. Ouais, c'est ce que j'ai dit, t'es coupé à la Découper à racine. la racine avant que le mal soit fait. J'espère que papa peut m'aider car je suis terrifiée. Russ. Rousse. Rot. Je sais pas. Rots. Ok. Et en sortant, avant de partir, fais peut-être le tour de la pièce. Des fois qu'il y a une pile qui traîne par là. Non, pas Donc là. là, non mais attends, là j'avais bien regardé jusqu'au bout. Ah, bah il y a une clé. Et c'est écrit quoi? Attends, attends, attends. À gauche, sur le mur. Là, à droite. Asperger, je sais pas ce que ça veut dire. Il disait de regarder les objets que tu récupères. Trouvez Lynn. Il n'y a que ça qui compte. La j'ai une clé. Ok. Et le tour de la pièce. Avant de partir. Donc là, c'est la sortie. Ok, là, c'est... La mère de l'Antéchrist. L'ennemi attend en contact. Non, il n'y a pas de clapin. Enfin, il n'y a pas de pied, je veux dire. Merde. Ah, si. Tu devrais garder un peu de caméra. Ouais, attends. Si t'as peut-être pas besoin. Non, mais oui, c'est vrai. Oui, mais non. Putain! Mais ferme ta gueule, connard! Dégage! Merde, hein! Ah, c'est pour déverrouiller ici. Ok, il n'y a rien d'autre là. Ok, bon, on déverrouille, hein. Je n'ai pas épargné d'enfants. C'est dégueulasse. De toute façon, c'est une prison où ils ont foutu tous les tarés du coin. Tiens, encore le même. Ce serait pas lui, Kno, là, je sais pas comment. Je sais pas. Bah, en plus, il a une tête à s'appeler comme ça, je trouve. Bah, moi aussi, c'est pour ça que je dis ça. Nos. Nos. Ça ah, doit oui, être le bon Dieu. Alléluia. Bon. Nous voici dans une maison qui a l'air un peu moins bordélique que les autres. Ça a l'air propre par rapport à ce qu'on a vu depuis le début. Et encore le tableau. Et bien éclairé, ouais, et encore le tableau. Non mais lui, à mon avis, c'est un personnage... C'est celui que tu verras à la fin, à mon avis. Bien important dans l'histoire, je pense. Bloqué. Bloqué.
Pardon. Bon, bah on va voir ce qui se passe à l'étage. Je suis pas sûre de vouloir savoir. Moi non plus, mais bon. C'est tout le temps les mêmes tableaux. C'est ou le mec ou le truc du Christ là qui se fait éventrer ou je sais pas quoi. Bon. Ah. Un petit texte. Petit, ça, ça reste à voir. Attends. J'ai un doute que ce soit pas le même que tout à l'heure. Merde. Mais qu'est-ce que je branle ? Crois. J'ai rien fait. Alors, bah c'est la partie 2. C'est qu'ils ont dû rajouter des trucs. Texte lisible. Parce que les percées de la chatte, ça je l'ai lu, ça je l'ai lu. Valtrahi, temple gay, tué, maintenant un anneau qui guidera. Être jusqu'au salut. Donc ça doit être le dernier. Et Dieu dit que Val et tous les héritiers. Bah non, ça aussi. Mais attends, il y a un truc qui a été rajouté où ? Ah, c'est là. Et là, attends. Non, c'est et pas... Satan, bien que pris au piège en enfer, pénétra le cœur de Val, toucha. Et Satan, Shaitan, Baal, l'ennemi craignant même dans sa prison, toucha le cœur du disciple le plus cher et le plus fidèle. Ils ont rajouté quelques phrases, en fait. Après, on l'a lu, ça. C'était le truc de Shaitan. D'accord. Et la honte, je crois que ça y était pas à la fin. Et la honte. Je veux pas lire le texte, hein, c'est le même. Ouais. Ok. Il y a un verrou. Il y a pas 10 millions d'endroits où on peut aller, hein. Oh. Ça a l'air beaucoup plus glauque. Finalement, j'étais bien ici, non ? Vu les bruits, j'ai pas envie de savoir ce qui se passe. J'essaie de voir, mais je vois pas grand-chose. Ah, on verra peut-être mieux ici. Il y a des pélos. Merde, on voit pas. Ils font quoi ? Je sais pas. C'est bizarre. Ah, puis en plus, pour aller par là. C'est sa femme. J'ai entendu Lynn. C'est elle qu'ils ont jetée par la fenêtre ? Bah oui. Bah, à mon avis, tu pourras pas accéder. Non, mais j'ai pas envie de la récupérer, moi. C'est ta femme. Bon, allez. Ah ouais, quand même, tu sautes direct, toi. Tu te poses même pas de questions, bon. Dieu, Blake. Tu vas bien ? Non. Qu'est-ce qui se passe ? J'en sais rien. Oh merde, il faut partir. Bah, il la jette par la fenêtre, mais ils vont la récupérer, mais ils sont vraiment cons. Puis l'autre, elle se casse, elle m'attend même pas. Bah si, elle t'a dit dépêche-toi. Bah oui, mais bon. Où est-ce qu'on va ? N'importe où. Mais restons pas ici. Elle a l'air traumatisée. Oh, à mon avis, elle a dû se faire troncher. Involontairement. Oh, c'est romantique, on se tient la main. C'est cool. Oh, mon Dieu. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Mon ventre. Tu t'es fait bourriner ou quoi ? J'ai mal. Pardon. Il y a quelque chose qui va pas. Merde. C'était pas classe ce que je viens de dire. C'est sûr que vu l'hygiène de propreté qu'ils avaient, elle a peut-être chopé quelques petites MST. Petite syphilis avec une petite hépatite, hein. Mais pourquoi pas le sida ? J'ai juste besoin. Oh, mon Dieu. Non, mon Dieu, il est pour rien. Qu'est-ce enfin si, au contraire. Je croyais que t'étais mort. Quand t'es tombée, je croyais qu'on était tous morts. C'est pour ça que je me suis fait violer, j'ai accepté. On va sortir d'ici, ok ? Ou pas. Oh non. C'est dégueulasse ce que tu dis. Bah, c'est la vérité. Tu t'écoutes ? J'aime bien m'entendre parler. Blake. Ne me pose pas de questions. Oui, tu t'es fait violer, on a compris. Ils arrivent ! Tu m'étonnes qu'elle a mal. Pourquoi ça me remet la caméra ? Peut-être parce qu'il fait noir, mais bon, là on voit à peu près. Enfin, je sais pas, moi je vois en tout cas. Moi aussi. Puis bon, je peux pas faire grand-chose d'autre que de la suivre bêtement. Je sais rien. Il est fou. Je veux faire demi-tour. Laisse-moi faire demi-tour. Je veux juste quitter cet endroit. Est-ce que t'es enceinte ? Mortel, qu'est-ce qui se passe ? Il lui a dit quoi ? Est-ce que t'es enceinte ? Pas maintenant. Ah. C'est bien ce qu'il me semblait. Quittons cet endroit. Je t'en supplie. Mais vraiment, je vois mal. Ok. D'accord. Genre, le mec, en deux secondes, il se doute. Est-ce que t'es. Allez-vous-en ! Ouais, c'est un peu. Nous allons être très. Bon, remarque avec ce qu'il a lu dans les textes. Je jure devant Dieu que le premier qui me touche, lui crève les yeux.
Moi, je lui coupe la vie. Non. Non. J'ai peur. Le mec, on aurait dit Freddy avec son chapeau. Non. Non. Mais l'enfant, il n'est pas encore né. Il est même pas. Il va encore la violer. Je sais pas. Bah, je sais pas ce qu'ils font, mais c'est bizarre. Il lui ouvre peut-être le ventre. Et je viens voir des bordels à poils passer. Ah! On voyait pas très bien la scène. Je sais pas si c'est ça qu'ils appellent des scènes explicites, mais pour moi c'est pas assez explicite. Dieu sauve ton âme. J'ai regardé mon père baiser ton dieu à mort. Puis avant, il y a une vélo avec des branches sur la tête à côté de moi. J'arrive pas à tourner pour voir, mais. C'est dégueulasse. Je sais pas où regarder, il y a trop de trucs. C'est la meuf, ça. En train de la lécher, c'est dégueulasse. Je vais partager mon amour avec le père. Non, ça ira, j'ai pas envie de te voir. C'est pas le père, si elle s'est fait violer, lui, il y est pour rien. Dieu ne t'aime pas. Pas comme je t'aime. Oh, elle a une tête, c'est bon. Elle me fait penser à la meuf dans Walking Dead. Avec les armes. Oui, mon amour. Ah. Désolée, je suis bloquée. Petite mère est là. Je pense qu'on se reverra. Ouais, j'ai pas envie. J'ai pas envie de te demander si t'as un 06 là, tu vois. Puis t'as un corps de bonhomme dans un. Une voix de femme, je sais pas, c'est bizarre. C'est en transe. Trouver Lynn, pardon. Il y a que ça qui compte. Tu peux rien faire. Tu vas te remettre là ? Ah oui. Si je peux faire quelque chose, mais c'est que je suis complètement troublée apparemment. Fouille là où il y a les mecs, il y a peut-être une pile, ils ont peut-être fait tomber. Ils ont appelé Lynn. Mère. Et y a pas que la secte. Il y a une pile, je crois, à gauche. Les chrétiens. J'ai vu un truc briller. Autre chose. Ah non, c'est les yeux. Bon, je vais pas revenir jusqu'au bout en arrière. Non, je pense qu'il faut continuer. Mais c'est chelou, ils ont appelé la meuf mère, ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Ça fait combien de temps, toi ? Encore quelques minutes. Je vais pas avoir le choix de recharger à mon avis. Alors, je peux peut-être poser. Où c'est qu'on a atterri ? Il y a un mec là-bas. Vélo. Ouais. Tu crois qu'à un moment donné, je peux me noyer ? Bah, je pense. Je sais pas comment on sort de là. Tu peux sortir ta tête de l'eau. Attends, parce qu'il y a le gars. Doucement, avec une des grosses gâchettes. Mais il y a le gars qui est juste là. Juste pour prendre de l'air. Et là, il se casse. Donc, tu peux peut-être t'approcher de la maison. Mais tu peux... En appuyant sur B, je crois que ça te met un peu plus... En dehors de l'eau. Tiens, vas-y, prends le relais. J'ai une crampe. Ça, c'était une excuse bidon. Ah, vous, t'as peur? Oui, j'ai la peur au ventre, là. Il y a peut-être des piles par là. En tout cas, t'es pas toute seule. Ouais, ça, j'avais remarqué. Cache-toi. Attends deux minutes. Oh, il y a des poupées, c'est glauque. Je m'enferme. Et pourquoi tu t'enfermes, en fait ? Bah, j'ai peur. T'es comme ça, toi, t'y vas cash. Bah, ouais. Je vois pas où est le problème.
c'est quoi? Un lit, là c'est un placard. Attends, je vois rien. Bah, pourquoi t'enlèves ta caméra, il fait nuit. Non mais comment qu'il m'a vu? Moi, à mon avis, c'est une cinématique automatique. Tu peux rien y faire. Genre, il t'aurait vu alors que t'étais dans la pièce fermée. Je me casse. À mon avis, c'est qu'il n'y avait pas le choix. Non, j'ai aussi des oreilles. Hein. C'est encore ce truc, c'est quoi? Oula. D'accord, on a atterri dans... une salle de l'école. Classe. Ou le truc religieux. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Pour faire plus court, l'école religieuse. Je rêve. Ouais. Non, tu rêves pas. Perdu la tête. Peut-être. Peut-être. C'est bon, t'as fini ton monologue? Bon, on va stopper là. Hein. 95, 96. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner sur la chaîne. Et moi, je vous dis... Tchuss.